done here. I want your temporary love. Pour une session, je suis avec Thomas, mon pote. Donc on est à Pescalis, au poste 2 et 3. Et donc on a 48 heures pour essayer de capturer un big fish. Voilà, allez, je vous emmène avec moi, let's go. La session prévue depuis déjà quelques semaines, on savait déjà exactement où placer le canne en arrivant sur le poste. Thomas va donc lui faire un amorçage à 105 mètres, pose bombe, et moi je vais faire un amorçage juste avant l'île, à 90 mètres. Allez, c'est parti, on clip tout ça et on amorce, let's go. Donc question amorçage, je me complique pas trop la tête, donc je mets des pelets Coppens en 8 mm qui sont assez gras. Ensuite je rajoute des billes maison, donc c'est moi qui les roule. Alors elles sont à base de farine de chêne vie, farine de poisson et épices. Ensuite je rajoute des tiger nuts de chez Nash dans les jars. Et pour finir je rajoute un petit peu de maïs doux pour le côté visuel. Et donc Thomas lui a un amorçage différent du mien, donc il est principalement constitué de Scopex Squid en 18 mm, il y met des Tiger Nuts également, du Pelé Coppens sur 8 mm, et il met du Chêne Vig ou Scopex Squid. Et donc au niveau des éches, on utilisera tous les deux des Spinner Rig avec des pop-up Scopex Squid en 15 mm rose. On les aura nappés avec du goût corda Supreme Squid. En plus de ça, on aura notamment des cannes avec des tigers équilibrés avec un IQ des rigs. Et donc une fois les amorçages prêts et les montages prêts, on va commencer à spawner une bonne partie de l'après-midi. Là, on est en train de Thomas est en train de spawner. On a quasiment mis, je sais pas, la moitié d'un saut. Oui. Ouais, la moitié d'un saut. Vas-y Thomas. Nickel. 105 mètres. Ouais. Comment ça, 105 mètres? Et après avoir pratiquement spawné un saut chacun d'amorce, on se pose, on se repose un petit peu, on parle. Et 3 heures après, sur les coups de 18 heures, boum, grosse déroule. Thomas fait actuellement éclater.
C'est un scourge, c'est possible, c'est un scourge. Bon courage. Elle fait un gros travers là, non? Elle revient, ouais. Oh putain! Fais chier! Mais merde là-bas, de toute façon, je le sais, hein. C'est pour ça que je voulais pas qu'elle y aille. Putain! Cassé. C'est pas grave, cette casse ne nous fait pas baisser les bras. On fait le montage et 5 minutes après, qu'est-ce qu'on entend? Gros départ. Finalement, 10 minutes quoi? 10 minutes après, on faisait le montage? Grosse déroule sur les canettes Thomas. C'est comment? C'est loin, ouais. Allez Thomas. Ouais. Bon alors Thomas, qu'est-ce que tu nous as fait là? Putain. Un big amour blanc. Belle blanc, on est clairement chaud pour la nuit. On attend juste maintenant un départ d'une carte. On a tout replacé avant la nuit, les cannes, on a réamorcé un petit peu aux bombes, il n'y a plus qu'à avoir un départ maintenant. Ouais les gars, je vous reprends là, il est 7h30, le soleil vient de se lever, là, la nuit a été compliquée, on a eu beaucoup de petites tirées sur les cannes, mais aucun poisson, sauf une brème hier soir sur le coup de 23h. Donc voilà. Donc cette nuit on était beaucoup à la Tiger équilibrée ou alors avec des pop-up, mais non, pas de poisson. Je sais qu'à côté on entend des détecteurs, ça a bien déroulé, mais voilà. Donc là cet après-midi on change de programme. Cet après-midi on a pas mal, on a plus de 10 kilos de billes, de Tiger et tout amorcé, on est chaud bouillant avec Thomas. Changement de stratégie, on va se mettre aux X cet après-midi et j'espère que ça va bien dérouler parce qu'on est chaud bouillant. Mais là, on est en train de préparer l'amorçage pour que les choses vides. On va s'y mettre là d'ici même pas une petite heure. Donc là, j'ai commencé à préparer l'amorçage. Donc, mon amorçage est constitué de... Donc là, c'est du pelet Coppens, c'est du pelet en 8 mm. Voilà. Voilà. Il y a la même chose en 4 mm. J'ai rajouté 3 boîtes de maïs doux pour un saut de 10 litres. 3 boîtes de maïs doux. Là, je vais rajouter du chenvi. Donc là, c'est du chenvi tout préparé. Goût Scopex Squid, parce que je pêche sur mon amorçage avec des Scopex Squid, mais ça aurait été du chêne minéral, je l'aurais fait. Voilà, on va rajouter de l'huile de chêne vie, hyper important pour tracer dans toutes les couches d'eau, et un petit peu de sirop citrus parce que ça trace aussi dans toutes les couches d'eau, ça travaille aussi bien sur le fond qu'en surface et ça fait des particules autres que ça. Voilà, donc ben là je vais finir, j'ai plus qu'à mettre le chêne vie et les huiles. On va bien brasser ça, on aura 10 litres et normalement d'ici ce soir on devrait faire du poisson. Allez, on espère. Allez, c'est parti. Nos zigs sont posés. Voilà, Thomas amorce déjà là. Là, faut se dépêcher. Allez. Bon. Nickel. Allez, c'est parti. Faut amorcer.
Et voilà, la pêche c'est aussi ça les gars. Bien manger. Même s'il n'y a pas de départ, c'est pas grave. On reste confiant. Et voilà. Bon là les gars, le vent a tourné. Donc il pousse vers nous, donc ça c'est cool. Un tout petit peu plus de vent, il y a 10 km/h, donc bon, il n'y a pas grand chose, mais voilà. Là, Thomas est parti réamorcer. On a deux cannes aux zig. Au drone, on a repéré des poissons et tout, donc on a mis une canne à 10 mètres d'écart. C'est à 130 mètres à peu près du poste, donc c'est assez loin. Et voilà, donc là, on attend. On amorce, on baigne, et puis on va bien voir. Hein. Mais on espère qu'un beau fish va tomber. Allez, on y va. Bon les gars, là il est 18h30 à peu près, donc ça fait 24h qu'on a eu la mort blanc. On a fait voler le drone, il y a des putains de poissons dessus du coup, il y a une grosse koi, c'est un truc de fou. Il n'y a rien qui descend, on essaie au zig et tout, rien du tout, très très compliqué, les voisins autour c'est pareil, rien du tout. Donc là on a tout remis comme on avait fait l'année dernière, à la Tiger équilibrée et à la pop-up, puis on verra bien. Il y a des poissons sur le coup, donc en espérant qu'ils prennent, et puis voilà, hein. Je vous tiens au courant de toute façon s'il y a un départ, mais... très très dur, franchement, très 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 dur. Le vent qui s'est levé un petit peu tout à l'heure, on pensait que ça allait jouer en notre faveur, mais pas du tout. Et là, le ciel s'est vachement couvert, donc bon, on verra bien, mais voilà. Thomas et moi avons pas lâché durant toute la journée. De 7h30 le matin jusqu'à 19h le soir, toutes les 30 minutes on a amorcé. On a fait que ça, mais de l'amorce. Personne sur le plan d'eau faisait des touches, personne de chez personne. La situation était très très compliquée. Cependant, à 19h, on avait quasiment perdu espoir, on pensait qu'on allait juste faire un amour blanc de la session. Et à 19h, départ sur la canne de Thomas. Allez ! Bon Thomas, doublé ! Ça déroule ! Bon Thomas, il se passe quoi là ? Et voilà. On va dire le plus petit poisson du doublé, hein. C'est quand même dit, ça fait mille, quoi. Ah bah, truc de fou. On en est arrivé, hein. C'est ça. Ah, j'étais venu à Pescalis pour faire ça. Magnifique couleur. Hein. Et un combat. Magnifique. Allez, on prend des photos et puis on va la relâcher. Voilà les gars. Une grosse commune de 20 kilos. Elle est monstrueuse. Un dos énorme. Voilà les gars, allez, on va faire les photos du doublé, puis on les remet à l'eau. C'est parti. Oh. Allez, release de ces monstres. Allez, yes, pop. Voilà, c'est déjà fini. 48 heures, passé super vite. Là on part, mais les conditions sont excellentes. Un bon petit vent qui vient sur nous. Mais bon, ça déroule pas. Et là on va partir d'ici une heure, donc voilà. J'espère toujours, mais bon, ça risque d'être compliqué de faire un dernier poisson. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, et mettez un petit like et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Allez, à la prochaine.